500, c'est la plus grosse boîte mystère de foot du monde et elle m'a coûté 750€. Mais j'ai aussi acheté une boîte mystère de foot la plus luxueuse à plus de 1000€ et plein d'autres boîtes mystères à un prix inconnu. Et avant d'ouvrir la plus grosse boîte mystère au monde de football, j'ai réuni 3 de mes amis autour de moi et les règles sont simples. Chaque boîte que vous allez ouvrir derrière moi, tout ce qu'il y a à l'intérieur vous appartient. Alors choisissez bien. Je commence. Les gars, prends cette boîte, elle m'a l'air bien. Tu prends cette boîte. Ah les gars, c'est blindé. Elle fait un assez bon bruit. Franchement, la boîte, les gars, elle jamais vu comme ça. Zach, c'est à cause de tirer cette boîte et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, ça fait monter sa cagnotte de beaucoup d'argent. Je pense, les gars, elle est giga. J'espère rien. Déjà, ce qu'on est sûr, les gars, c'est que c'est une boîte de football. Okay. Et on va l'ouvrir tout de suite. Elle est giga, les gars. J'espère rien. J'espère que c'est que des cailloux, les gars. Pas de maillot, frère. S'il a un maillot, il est bien. Que du football. Ok. On va voir une paire de crampons à 200€ mystère. Tu vois plein de trucs. C'est quoi ça? Ah! C'est quoi ça? Les gars, regardez ce qu'il a tapé, les gars. Des petites boules. Il y en a. Mais Guette, il a tapé une boîte entière de balles rebondissantes de football. Et de ce que j'ai compris, chaque balle rebondissante en ballon de foot vaut 1 centime. Il y en a 100. 1 euro. Donc c'est une boîte à 1 euro. Ta cagnotte augmente de 1 euro. Et c'est autour de Mini Crypto que j'ai ici. C'est à moi, les gars. Mini Crypto, tu vas tirer ta boîte. Let's go. T'as fait quoi? T'as la boîte Madichina? T'as la boîte Nike? Écrit fragile, les gars. Ça doit être un truc de fou. Il y a des écritures chinoises, les gars, partout ici. Là, en plus de ça, il y a écrit fragile juste ici. Donc normalement c'est fragile. Ok, c'est parti. C'est quoi? Wesh. C'est des crampons. Les gars. Quoi? C'est quoi ça? Les gars, il y a chéri dans la boîte. Bah. C'est des paires de crampons TN, les gars. Donc ça, les gars, vraiment, une paire de crampons entièrement en TN, les gars. Je vous le dis, les gars, elles sont jamais sorties, ça existe pas, ces crampons là. Ça vaut combien? Je peux pas dire. Tu peux te balader en crampon dans la rue là. Vous allez au match, vous mettez ça, au lieu de mettre des TN, vous mettez des crampons TN, les gars. Exactement. Je crois qu'il y a encore quelque chose dans la boîte. Un maillot du Real Madrid. Un short? Regarde bien. C'est un maillot du Real Madrid qui n'est jamais encore sorti. Mais il n'y a même pas Adidas. C'est un maillot concept. Et ce maillot là, Ronaldo, les gars. C'est un maillot qui n'est jamais sorti. C'est pas un maillot collector ou quoi? Non, pas du tout. Ces crampons là sont jamais sortis. Ce maillot là n'est jamais sorti. Vous comprenez le sens de cette boîte? C'est la boîte de tous les objets de football qui sont jamais sortis en magasin ou par Nike, par Adidas. C'est des crampons totalement inventés. Et ce maillot là, pareil, c'est un maillot qui n'est jamais sorti par le Real Madrid, qui a été inventé. On appelle ça un maillot concept. Et ça ici, c'est des crampons concept. Donc Mini Crypto vient de tirer la boîte concept. De football. Et elle vaut combien? Elle vaut 100€. Yes, 100€ dans ma cagnotte. Franchement les gars, pour 100€, ces crampons TN sont vraiment exceptionnels. Et je vais lancer un petit défi à Mini Crypto pour voir si ces crampons TN valent vraiment le coup ou pas. J'ai volé une balle à Zach Ostetakos à 1 centime. Et si Mini Crypto arrive à faire plus de 5 jongles avec cette petite balle, c'est validé pour lui. Les crampons sont totalement validés. 1, 2, 3, 4. 5! Magnifique! C'est totalement validé, les gars. C'est magnifique. C'est validé. Les crampons de Crypto à 100€ sont totalement validés. C'est à mon tour. Je vais essayer de faire au maximum monter ma cagnotte. Et moi, les gars, je vais être logique comparé à vous. Les boîtes derrière, plus c'est gros, plus c'est cher. C'est de la logique. C'est de la logique. Autant elle est grosse, elle est vide. Je pense qu'elle, elle est vraiment. Je pense pas mal. Autant elle est vide, les gars. Elle est vraiment très grosse. Ah ouais. Il y a quelque chose. Les gars, elle est énormément lourde. Et il y a une rumeur qui dit que si tu t'abonnes maintenant à la chaîne, j'aurai vraiment un truc de fou qui dépasse toutes les autres cagnottes dans cette boîte. Alors abonne-toi pour que j'ai du lourd, les gars. C'est parti, les gars, on va ouvrir ma boîte. Ouais, j'espère t'as rien. Les gars, vu comment c'est lourd, une boîte mystère de football. À tout moment, les gars, j'ai 6 survêtements de foot. Non, rien du tout. Le maillot de CRC. Ouais, c'est le drapeau. Quoi? C'est un drapeau. Les gars, c'est une boîte de l'équipe de France, je crois. Attends, c'est quoi? C'est un drapeau. Ouvre. Wesh, il y a Benzema. Il y a une tête de Benzema. Benzema, les gars, Karim Benzema, face mask, supporter. C'est rempli d'équipe de France, les gars. Vraiment la France. Un costume de supporter de l'équipe de France. Un boulet de l'équipe de France. Je crois que c'est la mascotte de l'équipe de France. C'est le coq. Un chapeau. Vas-y, mets-le. Un chapeau de l'équipe de France. Il est incroyable. Je crois, les gars, c'est le pack spécial de l'équipe de France. Il y a même un casque, les gars, pour boire des canettes. Là, il y a deux canettes, fais ça. Et je me mets bien, les gars. Et là, les gars, il peut boire pendant qu'il regarde le match. Sans les mains. Sans les mains. Tiens, des petites lunettes. Des lunettes de l'équipe de France. Ça passe crème, les gars. Ça, c'est vraiment un vrai supporter. Les gars, cette boîte, à votre avis, elle coûte combien? Pense. Au moins 200€, 300€. Il y a trop de trucs, il y a trop d'objets, les gars. Il y a trop d'objets, les gars. Il y a trop d'objets. T'as des fumigènes? Wesh. Des fumigènes. Il y a un fumigène bleu, un fumigène blanc et un fumigène rouge, les gars. Il y a beaucoup d'objets d'équipe de France. T'as un petit truc que tu mets sur ta tête. Là, voilà, t'as un vrai fan, les gars. Pas les lunettes, les gars, c'est la classe. Que tu vas mettre directement. C'est une dinguerie de l'équipe de France. La boîte, elle s'arrête pas, les gars. Ça, c'est obligatoirement la boîte la plus chère depuis le début. Ouais, c'est la boîte la plus chère. 500€, c'est un ballon. Allez, les bleus de l'équipe de France, les gars. Officiel de l'équipe de France. Et il y a même, à mon avis, des objets collectors. Benzema, il a vraiment pas joué beaucoup de temps en équipe de France. Ouais. Et les gars, les objets de supporters de Benzema, c'est vraiment super rare. Donc, ça, il y a moyen que ça vaille des sous.
passe. Là, pas on dirait vraiment le Benzema. Nom est vert. Là, on dirait vraiment Benzema. Là, j'ai essayé entièrement la boîte et franchement, le costume est vraiment nickel. Et pour finir, on va allumer les fumigènes. Ouais. Et les fumigènes, il est dit que ça doit faire le drapeau bleu, blanc, rouge de l'équipe de France. Ouais. C'est parti, on va essayer. 3, 2, 1, on teste les fumigènes. Ouah ouais. Aïe. Oh, ça brûle. Oh, ça brûle. Les gars, la boîte, elle était vraiment incroyable. Il y a eu que des trucs de fou. Pour moi, elle coûte 75 euros, voire 100 euros, les gars. Vraiment, c'est une dinguerie. Tu mets ça pour aller en équipe de France, tout le monde te remarque, même les caméras. Ça fait 75 euros de plus dans ma cagnotte ajoutée. Et je passe devant tout le monde, sauf une crypto. J'ai tiré ma boîte, ça s'est super bien passé. Et là, maintenant, c'est au tour de mon moment, Ali. Là, les gars, c'est à mon tour. Je vais faire comme lui. Il a pris une grande boîte, ça a payé. Choisis quelle boîte tu veux. Il y a des boîtes noires, marron et tout. T'as même des boîtes anciennes, frère. Il y en a une, elle sort du lot, les gars. La boîte blanche, je suis sûr, il y a un truc de fou dedans. C'est la seule boîte blanche de tout le pack. Est-ce qu'il y a un truc de fou? Est-ce qu'il y a un truc nul? Ah, tchèque. Les gars, mais y'a rien dedans. Frérot, y'a quelque chose dedans. Y'a quelque chose, regarde. Wesh, y'a que ça, les gars. Mais c'est quoi ça? C'est ça, pour moi, c'était déjà terme. J'ai déjà fait beaucoup de stades de foot. Dans certaines places de stade, ils offrent ça sur le siège pour que la personne puisse soutenir son équipe. Et là, en l'occurrence, à mon avis, ça doit être offert dans l'équipe de France. Donc regarde, c'est un petit truc que tu peux essayer. Oh, ça tue. Et ça, je peux te dire quelque chose, c'est offert dans tous les stades et ça vaut absolument 0 euros, c'est gratuit. Comment, zéro, comment vous avez tous gagné 1 euro, 175 moins 0. Vas-y, vas-y, comment 0. Actuellement, on a chacun tiré une boîte et nos cagnottes respectives s'élèvent juste ici à ce prix. Donc pour le moment, Mini Crypto est premier, moi je suis deuxième avec 75 euros, Zaka c'est troisième et Momo Ali est bon dernier. Même pas le parle, je vais me refaire, les gars. 0 euros, les gars, Momo Ali. On va tout de suite passer aux prochaines boîtes mystère de football. Avant de passer aux boîtes à 500 euros, 750 euros ou encore la boîte finale à 1000 euros, il y a une boîte qui était vraiment assez spéciale et qui m'a beaucoup intrigué et qui a été tirée par aucun d'entre nous. C'est une boîte mystère à ouvrir uniquement de nuit et cette boîte mystère à ouvrir uniquement de nuit coûte uniquement 20 euros. La seule indication pour cette boîte mystère, ça a été d'ouvrir cette boîte uniquement la nuit. Donc on a dû venir de nuit dans un stade de foot pour ouvrir cette boîte et voir le contenu de celle-ci. Les gars, qu'est-ce que ça peut être de nuit? Peut-être un ballon enflammé? On sort tout de suite, c'est parti. Dans cette boîte. Il y a tout simplement, premièrement, plein de ballons comme ça. Il y en a un pour chacun d'entre nous. C'est des ballons aéroglisseurs, on dirait. Est-ce que pour vous, ça, c'est la taille d'un ballon? Non, un ballon, c'est rond. Là, les gars, c'est pas du tout rond, les gars. C'est tout simplement plat. Et là, les gars, on va les allumer pour voir si ça marche vraiment. Soit disant, c'est fait exprès pour pouvoir jouer n'importe où. Dans son salon, à l'école, partout, les gars. Faut allumer, comme ça. On allume. Là, il est allumé. Ah, c'est trop stylé. Et là, logiquement, je peux jouer avec. Les gars, pour cet objet, franchement, c'est assez amusant. Et par contre, les gars, il s'est totalement cassé. Au bout de même pas un petit tir avec. Ouais, rien. On n'a même pas fait faire une brésilienne qui s'est cassée, les gars. Donc, pour moi, les gars, ça c'est totalement pas validé pour moi, les gars. C'est totalement 0 sur 20. Pour cette boîte, c'est mort. On va voir le reste de la boîte. C'est parti. Et l'autre objet mystère qu'on a trouvé dans cette boîte de football entièrement de nuit, c'est ce ballon spécialement pour la nuit, les gars. Dès que le soleil tombe et que vous êtes obligé de rentrer chez vous parce qu'il fait nuit et qu'on voit plus le ballon, là, les gars, c'est un ballon spécial pour voir la nuit. Là, les gars, on vient entièrement de gonfler et d'allumer le ballon. Là, pour le moment, vous allez pas trop bien arriver à le voir. Mais là, normalement, vous voyez que le ballon est entièrement allumé. C'est pour la nuit, les gars. On va essayer de faire une petite brésilienne avec. Ah, c'est incroyable. Allez, sors, sors. Vas-y. On va pas où tu t'es raté. Allez, t'es raté, les gars. Ce ballon, il est incroyable, les gars. Vous savez pourquoi il est incroyable? Parce que, les gars, si on avait un ballon normal, on n'aurait jamais pu faire de brésilienne la nuit. Et ce ballon nous a permis de entièrement jouer au foot dans la nuit. Donc, cette box, elle est totalement validée. Validée, les gars. Et surtout qu'elle a coûté que 20 euros. C'est-à-dire que ce ballon coûte même pas 10 euros, les gars. C'est une dinguerie. Pour moi, c'est une des meilleures box en rapport qui a été pris depuis le début. C'est une boîte mystère de fou malade, les gars. Moi, les gars, pour le moment, je me suis mis bien et faut vraiment que je touche le pactole sur la prochaine boîte. À mon avis, les gars, le pactole, il va plus être dans la boîte à 1000 euros qui nous attend juste après. Donc, reste bien jusqu'à fin de la vidéo. Et pour la prochaine boîte à 250 euros, elle nous a été livrée dans un emballage assez spécial, les gars. Assez ancien. On dirait une œuvre de musée. De musée, les gars. Une pièce de collection. Peut-être le maillot de Ronaldo à Manchester. Peut-être le maillot de Pelé, comme il dit de vieux. De Pelé, de Maradona. Donc c'est parti, les gars. On va ouvrir. Let's go. Hein? Oh, vas-y, sors le premier objet. Regarde. Les gars, le premier objet, c'est un ballon. C'est de quelle année ça? C'est un ballon ancien. On dirait un très très vieux ballon. Oh, il est emballé, les gars. Oh là là, les gars, il y a du cuir. Oh, c'est le ballon de l'Inter de 1908. C'est le premier ballon de l'Inter, les gars. Oh, les gars, on sent qu'il a du vécu le ballon. Regardez, oh, il y a plein de fissures et tout. Oh, vraiment, il est giga vieux. Les gars, c'est un ballon ancien. On n'a jamais vu ça. Ouais. Les gars, c'est fait avec du cuir comparé au nouveau ballon. Les gars, ça n'a rien à voir. Il est dur. Ma parole, tu fais une tête, tu tombes dans le coma. Les là, gars, vous faites une frappe avec, vous cassez le pied. C'était à l'ancienne, les gars. Ouais. Les crampons, ils adapté avec
ça pour mettre des grosses frappes, mais le ballon était vraiment trop dur. Les gars, c'est une boîte qui vaut 250 euros. Ouais. Et le ballon, les gars, un ballon ancien comme ça, il doit valoir au moins 100-150 euros. Ouais. Et pour le prochain objet de cette boîte vintage à plus de 250 euros. Les gars, c'est moi, je vais le tirer. Vas-y, c'est parti, on te laisse. Ok, reste un objet. C'est quoi, c'est une boîte? C'est une boîte, les gars. C'est quoi cette boîte de fou? Oh là là. Et l'objet que je viens de tirer dans cette boîte vintage à 250 euros, c'est une boîte de chaussures, je crois. Regarde, il y a des trous. Ils aiment bien emballer comme ça. Il y a des trous anciens. Et il y a du cellophane. À mon avis, le cellophane, c'est pour vraiment protéger parce que c'est vraiment des objets de collection. Des objets pour la plupart qui ont plus de 50 voire 100 ans, les gars. C'est écrit chaussures et ballons de sport. On va déballer ça, let's go, c'est parti. Faites attention. Les gars, attention à la vraiment, boîte. Et là, les gars, on va ouvrir pour voir des chaussures de 1950. Qu'est-ce que ça vaut? Les gars, ça vaut super cher déjà. Regardez-moi ça. Ça tient même pas. Ça tient même pas, les gars. On a un petit papier d'entretien. Ce papier, ça prouve que ça date d'il y a vraiment pas mal de temps, les gars. Ensuite, les gars, on a une sorte de notice pour utiliser ça, les gars. Tiens, Zach, je peux la découvrir. Il y a pas mal de choses. Il y a des signatures, les gars, des autographes. Des signatures d'anciens joueurs, les gars. Essayez de voir s'il n'y a pas Zidane, s'il n'y a pas Maradona ou s'il n'y a pas Pelé sur ça. Et pour finir, les gars, ce qui donne le prix de cette boîte de 250 euros, c'est une paire de chaussures des années 1960. Elle sent l'ancienne chaussure, les gars. T'as vu la dinguerie? Ça pue, les gars. Ça pue, faut dire les termes, ça pue, les gars. Produit en France, c'est un vrai crampon des années 1960. Et pourquoi il coûte autant cher? Parce qu'il n'a jamais été utilisé par qui que ce soit. Ça veut dire qu'en gros, c'est une paire de crampons entièrement neuve, mais des années 1950. Et les gars, je comprends totalement pourquoi ça vaut 250 euros cette boîte. La boîte est vintage, le ballon de l'Inter de 1908. Les gars, c'est une dinguerie. Moi, je te propose de tester le ballon avec les crampons. Oui. Moi, je pense que ça peut être une bonne idée. Vas-y, c'est parti, let's go. Les gars, Sakos a mis les crampons et le ballon à l'ancienne. Et tu vas tester ça avec les crampons. Tout comme à l'époque, les gars. C'est les anciens crampons, donne-nous ta sensation. Ah, il y a beaucoup de cuir, on est un peu à l'aise, mais on est serré, les gars, à l'avant du crampon. C'est confortable ou pas? Je mets un 3 sur 5. Ouais. Et l'esthétique, les gars, c'est 0. Sur l'esthétique, 0, les gars. 0, les lacets, les grandes et les lacets. On dirait des mocassins, les gars. Oh, tellement ils sont trop longs, il les a mis en dessous. Les gars, c'est trop, c'est abusé. Je sais pas, ils serraient quoi. Vas-y, fais des jongles, on va voir. C'est parti, les gars, on va tester. Vraiment, 1, 2, 3, 4, ils sont bien ou pas? Les gars, la vérité, c'est trop dur de jongler. Oh, t'es comme à l'ancienne, les gars, c'est la boîte vintage à 250 euros. Mais les gars, vous pouvez pas jouer avec, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux, et les gars, c'est des pièces de collection, donc faut pas jouer avec. La boîte qu'on vient d'ouvrir entièrement vintage des années 1950 vaut 250 euros. Et on va passer tout de suite à la prochaine boîte qui vaut encore plus cher que ça. Mini Crypto, Zakos et Takos et Momo Ali, devant vous, il y a 3 boîtes. Ouais. Une à 5 euros, une à 50 euros et une boîte mystère à 500 euros. Wow, 500 euros? Choisissez quelle boîte vous voulez et chacun va devoir tirer une boîte et la boîte, vous allez l'ouvrir, c'est une boîte mystère, choisissez les gars. Votre celle-là, les gars. Elle est lourde. Chaque boîte est mystère, vous allez les ouvrir un par un, on va voir qui a eu la meilleure boîte. Et on va commencer par Zakos le Tacos. Ouais. Pour toi, dis-nous les termes, combien elle vaut? Pour moi, 500 euros. 500 euros, t'es sûr? 5 euros, c'est clair. Impossible, c'est 5 euros. Moi, impossible, c'est 5 euros, regarde comment c'est lourd. Je sais qu'il y a des objets à 5 euros qui sont. Mais regarde comment c'est lourd. Régale-nous à voir ce que c'est. Les gars, boîte mystère, les gars, on sait pas quel prix. Soit 5 euros, soit 50, soit 500. C'est bon? C'est quoi? Moi, vous attendez? C'est des boulons, les gars, c'est des boulons. Les gars, c'est pas des boulons, les gars. C'est sûr, ça a un rapport avec le foot. Ah, oh, c'est emballé, les gars. Les gars, ça a l'air plutôt qualitatif, ça a l'air plutôt cher, c'est lourd. Des plots d'entraînement. Je sais pas ce que c'est, frère. Y'a des filets. C'est quoi ça? Attends, c'est quoi? C'est quoi ça, 5 euros? C'est sûr, ça. Une boîte de pêche. Non, non, les gars, ça c'est impossible, ça c'est 5 euros. Ça doit être une machine de folie. Je te dis les termes, Zach. T'as eu la boîte intermédiaire, c'est-à-dire la boîte qui n'est pas à 5 euros, la boîte qui n'est pas à 500 euros. T'as eu la boîte à 50 euros. C'est gavé, les gars. Ce qu'il y a ici, on va l'assembler tout de suite et tu vas voir c'est quoi. Après avoir entièrement monté la boîte à 50 euros, Zach, on s'est rendu compte que ça c'est un filet. Mais ça sert à quoi? Tu vas voir tout de suite, ça sert à quoi? C'est un filet rebondissant pour faire des reprises de volée illimitées au football. Donc là, tu vas pouvoir faire les meilleures frappes avec ce filet. Vas-y. T'es prêt? Oh, c'est le meilleur outil pour s'entraîner dans les reprises. Zach, il a jamais mis une frappe comme ça de sa vie. Et là, les gars, premier tir avec le trampoline rebondissant pour les frappes. Une frappe surpuissante. Frappe surpuissante, les gars, c'est le meilleur instrument. J'ai jamais vu une frappe comme ça, les gars. C'est totalement validé. Et Zach, ça fait plaisir, les 50 euros. Tu peux gagner un objet à 50 euros. Zakos Tacos a réussi à avoir un rebondisseur de football à 50 euros. Ça fait plaisir. Là, il reste 5 euros et 500 euros. Autant cette caisse fait 500 euros. Autant cette caisse-là fait 500 euros. Bon, les gars, j'ai pris celle-là. Je me suis dit quoi? Belek, c'est du bois, ça va être riche. Mais à tout moment, il t'a amené 500 euros. Dans la dernière vidéo, les gars, j'ai pris une grosse caisse et à la fin c'était 5 euros, les gars. 5 euros, ouvre ta boîte, c'est parti. Est-ce que ça va être 500 euros à l'intérieur ou pas? C'est quoi? C'est quoi? Wesh, c'est quoi? C'est 500 euros! C'est quoi ça? C'est 500 euros ou pas? Si. Oh, c'est lourd. C'est un poulet? Non, mais tu vois, c'est un parapluie. Est-ce que ça vaut 500 euros ou pas? C'est un parapluie? Oh! Quoi ça? C'est dégris, je crois. Non, tu sais, je crois que c'est quoi? C'est les trucs pour s'entraîner. C'est là où tu sautes dessus. C'est un pack d'entraînement de foot à 5 euros. Attends, ça touche la boîte à 500 euros. C'est ça. C'est un pack d'entraînement de foot à 5 euros, les gars. Et les gars, je peux vous dire que c'est la pire qualité pour s'entraîner au football. Mais vu que t'as la pire qualité pour t'entraîner, tu vas pouvoir t'entraîner avec. C'est parti. Découvre ce que c'est. Découvre. Dans la caisse à 5 euros du pack d'entraînement de Mini Crypto à 5 euros uniquement, il y avait quand même un parachute de résistance, c'est-à-dire un parachute pour courir plus vite au foot. Une échelle, les gars, une échelle d'entraînement. Tout ça pour moins de 5 euros. Et encore.
sport, des petits plots pour s'entraîner. Mini Crypto va essayer sa boîte, on va voir si ça lui plaît ou pas. C'est la pire, les gars, c'est 5 euros. C'est parti, les gars, les plots. Pourquoi le parachute s'élève pas? C'est quoi cette boîte? Parce qu'il est nul, les gars. Oh, ça fout le démon. Il est vraiment une boîte à 5 euros, les gars. Le parachute, même pas, il se lève. Vas-y, cours, cours. Les gars, le parachute, il est nul, ça sert à rien. Oh, boîte à 5 euros, elle est vraiment nulle. La boîte mystère à 500 euros est juste ici. Les gars, je savais, boîte en bois, que du luxe. Ouais, vous avez été bêtes, les gars. Frérot, tout ce qui est écrit dessus, c'est écrit fragile, fragile. C'est parti, ouvre-la. Les gars, j'espère pour lui dans sa boîte, il y a vraiment quelque chose qui vaut le coup pour 500 euros. Parce que pour 500 euros, j'espère qu'il y a des bons trucs. Hein. J'espère qu'il a mis 500 euros de bonbons. C'est parti, Momo Ali. T'as enfin dévissé tous les trucs en vie. J'espère que t'as rien. Ah, j'espère que j'ai un truc. Vas-y, les gars, j'ai envie de lui mettre le colis. Oh, ok, y'a rien. Polystyrène entièrement blanc. 500 euros de polystyrène. Get le poids du polystyrène. Get combien de polystyrène. J'avoue, il est vraiment super lourd. Wouah! Wesh! Les gars, pour que ça soit. C'est dinguerie, les gars, ce qu'il y a dedans. La dinguerie, c'est quoi? Un maillot dédicacé? Un maillot entièrement dédicacé par Ben Yedder, les gars. Sa signature est juste ici. Ça. Ah, y'en a, ils s'arrachent les places VIP. Ils vont sur le stade. Ils terminent en prison pour une signature. Y'en a, ils l'ont même pas. Moi, je l'ai comme ça gratuitement, les gars. Les gars, maillot de Monaco, Ben Yedder entièrement signé. Ça, ça vaut déjà 250 euros. Ah, ça, je vais le mettre dans ma chambre. Je vais même pas le revendre. Je vais l'accrocher comme un poster. Et je crois que t'as pas vu, c'est le deuxième truc. Oh! Les gars, y'en a pas un, y'en a un deuxième. Y'en a un deuxième, les gars, juste ici. Entièrement, cadre les gars, entièrement un maillot de ballon longou, pareil, un joueur de l'Est Monaco. Et c'est signé juste ici, vous pouvez voir la signature qui est juste ici, l'équipe. Ça veut dire que tant au moins, c'est une dinguerie. 250 euros, on comprend pourquoi la boîte fait ça, c'est incroyable. Tout de suite, rachète le maillot pour 250 euros. Mais ma parole, les gars, je vais l'accrocher comme un trophée. Est-ce que les meilleurs joueurs du monde vendent leur trophée? Jamais. Tu peux repartir avec ça, en tout cas, ta boîte mystère a été vraiment rentable au max. Les gars, la dernière fois, j'ai eu 0 euros dans ma boîte, je me suis bien refait, je repasse devant tout le monde. Juste derrière moi, c'est la boîte à 750 euros. Et cette boîte, c'est la plus grande de la vidéo, mais pas la plus chère. Elle vaut 750 euros. Il y a la boîte de luxe à 1000 euros, je t'ai pris. Mais on va l'ouvrir. Elle est super grande. Elle est carrément plus grande que moi, l'équipe. Et pour cette boîte, tellement elle est grande, j'aurai besoin de Zakos Otakos et Mini Crypto pour venir m'aider. Cette boîte est entièrement en bois, ce qui signifie qu'il faut un pied de biche. Cette boîte, les gars, dites-vous que la livraison a coûté plus cher que la boîte en elle-même. La boîte coûte 750, la livraison a coûté 1000 euros. C'est parti. Je commence à tirer. Elle est trop vissée, les gars. Tu peux l'ouvrir, c'est sûr. Il va avoir un truc de folie. Je vais la péter. La dernière fois qu'on a eu une boîte aussi grosse que ça, c'était un quad. Ah, imagine, il y a une boîte de foot. Imagine, il y a Ronaldo carrément qui nous attend derrière. Bah. Neymar, les gars, Neymar. C'est galère, on va aller de l'autre côté. Les gars, je crois que je suis arrivé à décrocher presque toute la boîte. Elle est décrochée, j'ai enlevé tout. Vous êtes prêts, les gars? La boîte est prête à être ouverte. 3, 2, 1. Let's go. Wesh. Y'a quoi dedans? Vas-y, rentre. Y'a quoi? Y'a un sac? Y'a un sac? Un sac dans une boîte? C'est une boîte à 750 euros et la seule chose qui est à l'intérieur? C'est un sac. C'est des maillots, c'est plein de maillots. Il doit avoir plein de maillots. Plein de maillots, vas-y. Les gars, imagine, y'a plein de crampons. Imagine, y'a 700 euros de maillots de foot. Vas-y, ouf, 700 euros de maillots de foot, vas-y. Y'a des maillots de foot, ça. Quoi ça? Je t'ai fait ramaquer. C'est quoi ce sac à 750 balles? Vas-y, t'es fait ramaquer, les gars, c'est sûr. T'es sûr que c'est 700 euros? C'est 750 euros, les gars. Plus la livraison, ça faisait un total vraiment vertigineux, l'équipe. Toi, je me suis ramaqué. C'est un filet de pêche, cousin, c'est un filet. 750 balles, je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire avec. C'est possible, ça vaut 750 balles les gars. Il y a quelque chose à faire avec les gars. Après avoir déballé entièrement la boîte à 750 euros, on s'est rendu compte que c'était quelque chose de gonflable. On sait pas encore ce que c'est les gars, mais on sait juste que c'est super géant et que ça vaut bien les 750 euros. Derrière, on est en train de gonfler tout ça et on va voir ce que c'est. Certains pensent que c'est un terrain de foot, d'autres pensent que c'est autre chose. Là, tu pensais quoi? Enfin, c'est un terrain de foot comme t'as dit. Je pense aussi que c'est un terrain de foot. Moi les gars, c'est un maillot de foot géant. Un maillot géant gonflable. On est en train de gonfler ça les gars, ça prend vraiment pas mal de temps. On gonfle ça et c'est ça qu'il y avait dans la boîte à 750 euros. C'est parti, on gonfle tout de suite. On vient enfin d'être sûr de ce que c'est les gars. C'est un terrain de football géant les gars. Donc pour 750 euros dans une boîte mystère, on a un terrain de football géant. Et on va l'essayer les gars. Imaginez, on peut faire carrément un match de foot les gars dedans. On va rentrer dedans, on va faire des 1v1 les gars. On va voir qui c'est le plus fort. C'est parti. Go go go, Zach, allez, rentre. Je suis bleu. Les gars, il y a carrément tout dans ce terrain. Il y a des cages, il y a un panier de basket, regarde-moi ça. Panier de basket les gars. Et il y a même carrément un filet pour faire un tennis ballon les gars. Est-ce que ça vaut le coup pour 750 euros? Oui. 750 euros pour moi, oui, ça vaut le coup les gars. Parce que vous pouvez jouer n'importe où. Nous on l'amène dans un parc, mais vous pouvez l'amener chez vous. Dans votre jardin, à la plage et jouer au foot n'importe où. Ah oh les gars, 1-0 les gars, je suis trop fort, je suis le meilleur, 1 contre 2. Capote les gars. 1-0, 1-0. Mais que tu es les gars, 1 partout. 1 partout les gars, le premier en 2, il repart avec le château gonflable, je lui offre. Il a stressé les gars et on remporte. C'est gagné les gars, la team rouge les gars a remporté Château Gonflable. Zakos va repartir avec et, oui. Et moi aussi les gars, c'est gagné. Vous l'attendez tous depuis le début, on va enfin pouvoir déballer la boîte mystère de football la plus chère. Cette boîte c'est une des plus petites mais c'est aussi une des plus chères puisqu'elle vaut à l'heure actuelle plus de 1000 euros. Wow. 1000 euros? Je sais pas du tout ce que cette boîte contient, je sais juste que cette boîte vaut 1000 euros et qu'elle contient un des objets les plus précieux du football les gars. Un objet que peu de personnes dans le monde ont à l'heure actuelle en possession. Un maillot dédicacé de Maradona. Encore mieux. Les cheveux de Cristiano Ronaldo. Encore mieux. Des crampons
Cristiano. On va ouvrir ça tout de suite pour voir ce que c'est. Et pour l'occasion, je suis obligé de sortir le costard, ouais, les gars. Aïe, aïe, aïe. On peut pas ouvrir cette boîte sans cet habit. Fallait cet habit pour ouvrir la boîte. Trois, deux, un. Ma c'est les gars. Il y a une image de Neymar. Il y a une image, les gars. Première image déjà. Il y a une image de Neymar en train de signer une boîte. Bizarrement, Neymar a une boîte rouge. Et là, les gars, je vois une boîte rouge. Oh là là. Oh là là, il a signé la boîte. C'est ça, voilà. Et potentiellement, la boîte que vous voyez sur cette photo, c'est peut-être elle qui a ici. Ouais, c'est les gars, faites gaffe. Ma tu mens. C'est quoi? Une frère, la signature de Neymar, frère. Oh là là. La vérité, la signature de Neymar juste ici. Elle a un petit peu eu du mal à livraison, les gars. C'est juste parce qu'elle a signé la boîte, je crois. Oh, la boîte est entièrement neuve. Wow. Les gars, à un moment donné, Neymar était complètement sponsorisé par Dr. Dre, les gars. C'est une marque de casque. Et à ce moment-là, ils l'ont fait signer cette boîte. On va directement la remettre avec du papier bulle parce que c'est vraiment quelque chose de fou. C'est une boîte de fou, les gars. Les gars, la boîte vaut 1000 euros. Et le pire, c'est quoi? C'est que là, il y a la boîte signée Neymar. Mais il reste encore des trucs dans la boîte. Déjà, ça là, ça va être aux alentours de 300-400 euros. Oh là là. À mon avis, vu comment c'est léger, il y a pas le casque à l'intérieur, mais juste la signature, elle vaut beaucoup de déjà, on a tapé un truc à 300-400 euros. Et là, les gars, pour la suite, il y a encore beaucoup de papier bulle. Non, ah, wesh. Là, je crois, les gars, c'est vraiment quelque chose, les gars. Pas possible. Je crois, les gars, c'est vraiment quelque chose. Les gars, c'est une dingue. On a le truc le plus impressionnant de la carrière de Neymar. C'est un crampon de Neymar signé par lui-même juste ici. Tout droit venu du site icon.com. C'est le site en sponsor avec tous les footballeurs pour qu'ils fassent des autographes sur les objets. C'est et là, les gars, dans cette boîte, t'as un crampon de Neymar de l'époque du FC Barcelone, donc l'époque prime, l'époque où il était plus fort. Dinguerie. Entièrement signé et sous vide, les gars. C'est sous boîte. Mais ça veut dire qu'il l'a mis, il a joué avec. Il a joué avec. Il a mis des sombreros et toi. Il a joué avec. Et là, vous voyez directement le même crampon, les gars. Il est en train de le signer juste sur la photo, les gars. Oh là 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 là. C'est la meilleure boîte mystère de football. Vraiment. Le crampon, il est utilisé par Neymar. Vous voyez que le badge du crampon, il est un petit peu utilisé en fait. C'est un chef-d'œuvre. Les gars, ce crampon Neymar, c'est 500 euros, les gars. Dans cette vidéo, on a ouvert des boîtes mystères de football à plus de 1000 euros. Et tu dois aller voir la vidéo où on ouvre des boîtes mystères entièrement du site Wish en cliquant en haut à gauche. Alors clique ici, tu vas vraiment pas être déçu. On a ouvert des boîtes de fou sur Wish.